suis le mec le plus nul du monde à Fortnite. Je crois que même mon grand-père, s'il travaille d'une semaine, il est plus fort que moi. Mais à la fin de cette vidéo, je serai le champion du monde de Fortnite. Allez, je mets mon casque de gamer. Je sais pas si c'est un casque de gamer ou un casque d'aviateur. Là, on dirait que je vais décoller en avion. Et on n'oublie pas quoi, Bob? Code créateur cachure. Voilà, allez, c'est parti pour la game. La World Cup Arena. À la fin de la vidéo, je l'aurai cette coupe. Je vais la ramener à la maison pour tout l'équipage. Du coup, faut faire quoi là? Je vois, il y a des traits verts, il y a des flèches. Ok, je vais acheter ma maison. Hop, on achète la maison directement, c'est gratuit. Stylé, vas-y, un dropper. Ça fait quoi le dropper? Ça fait quoi ça? Ah, c'est du loot. Et comment on gagne l'argent? Ok, c'est une usine de gourds du brave. C'est une usine de gourds du brave, ça vend les gourds du brave et moi je gagne de l'argent. Et là, il y a un pistolet. Ok, j'ai capté, j'ai capté. Et après, là, je peux faire quoi avec mon argent? Acheter un ordinateur. Bah oui, c'est logique. Je veux devenir champion du monde de Fortnite, je suis obligé d'avoir un ordinateur. On peut soit s'entraîner, soit jouer à la Coupe du Monde. Bon, on va s'entraîner, hein. Orge build fight. Oh, mais il est trop chaud mon skin là. Mais regardez comment je suis trop fort, regardez comment je build fight trop vite. Regardez les doigts de mon personnage là. On dirait une araignée. Non, et là, je suis trop rapide, là. Je build fight trop bien, là. Allez, on va voir ce qu'on peut acheter d'autre. On va récupérer l'argent et on va voir ce qu'on peut acheter. On peut acheter des murs. C'est pas les murs qui vont nous rendre forts, hein. Moi, je vous le dis, ça sert à rien du tout d'acheter des murs. Nous, on veut la Coupe du Monde. Ok, s'entraîner. Mais moi, je veux m'entraîner sur Wars, sur Fortnite, moi, pas dans la vraie vie. Aïe, aïe, aïe. Non, eh, c'est une dinguerie comment j'ai trop un shoot de fou. Là, tous les pro-gamers, là, ils sont en train de se mordre les doigts, là, en voyant mon niveau. Je rate rien. Regardez. Je suis trop fort. Allez, ça y est, ça va 2 minutes. Ça y est, je suis trop fort. J'ai même plus besoin de m'entraîner. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Vas-y, on va acheter des murs. Regardez mon setup, c'est un carton. S'il y a trop de vent, mon setup il va s'envoler. Du coup, on achète des murs. J'ai même pas assez. Je vais aller récupérer un peu d'argent. On va aller acheter les murs. Mais c'est quoi ces vieux murs? Regardez-moi ce mur. Je peux passer à travers. Et là, non, là, je me suis fait arnaquer. Là, j'ai payé $750 pour avoir un mur qui ressemble à ça. Là, c'est même pas un mur. Buy fence. C'est quoi ça, buy fence? J'ai payé $250 pour avoir un bout de bois. Mais je vais faire de l'équitation ou je vais jouer à Fortnite? Il me faut acheter que n'importe quoi. Ok, ils m'ont dit d'aller acheter un truc là-bas, on va voir. En fait, j'ai capté, j'ai capté. Là, cette map, c'est juste pour me faire arnaquer. Ils m'ont fait payer $1000 pour un laser. Et le laser, il sert à quoi? Genre à protéger ma maison. Genre là, là, des voleurs, ils vont venir là. Là, ils vont voir ma maison comme ça. Ils vont voir un laser, un mur et une barrière. Ils vont se dire, ah non, non, non. C'est pas possible, on peut pas venir cambrioler chez lui. Le cambrioleur, là, il a juste à passer à gauche et il rentre. Là, j'ai claqué $3000 pour un mur qui ressemble même pas à un mur, un bout de bois et un laser. Bah, bravo. Là, une fois qu'on va gagner mon trophée, là, une fois que je vais gagner le trophée du championnat du monde, je pourrais le mettre ici. Ok, là, je vais acheter un télescope. Je sais pas pour voir quoi. Et là, je peux améliorer mon skin. Ok. Mais pourquoi ils veulent me mettre des lasers partout, là? C'est quoi le but? J'arrive pas à comprendre. Je fais quoi avec les lasers, moi? Ok, moi, je vais m'entraîner. Vas-y, c'est bon. Me saouler. Moi, je vais faire des build fight, moi. À chaque fois que je suis énervé dans la vie, je viens faire des build fight. C'est ici que j'extériorise toute ma colère. Allez, lâche toute ta rage dans le build fight, mec. Je suis trop fort. Je suis trop fort, regardez. Je fais des 360 et tout. Même les ZZ et les ZFR, ils vont être jaloux de mon niveau là, à cette allure. Ils m'ont dit d'acheter une porte. Je sais pas, elle va servir à quoi, mais là, ils me forcent. Regardez. Là, ils sont en train de me forcer à acheter une porte. Ça, je vois, je vais me faire arnaquer là. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'hallucine. Il y a écrit acheter une porte. Regardez-moi ça. Elle est où la porte? Elle est où? Ils veulent que j'achète encore des barrières. Allez, vas-y. On achète des barrières là. Ok, acheter un garage. C'est sûr, là il y a écrit acheter un garage, ils vont me donner un vélo. Là, on parie, ils vont me donner un vélo. Là, vous allez voir en direct comment je vais me faire arnaquer. Hein. S'il vous plaît, donnez-moi un garage. Il est où le garage? Il est où le garage? S'il vous plaît, on pas de garage là. Moi, je vais build fight. Je vais aller faire la championnat là. Allez, vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Là, je suis pauvre, j'ai même pas de mur dans ma maison. Mais non, s'il vous plaît, ninja, laisse-moi gagner, j'ai pas d'argent. Je rejoue. S'il vous plaît, laissez-moi gagner, s'il vous plaît, je suis pauvre. Laissez-moi faire top 1, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, top 82, mais je suis claqué au sol. Bah, il a pas tort, il a pas tort, il a pas tort. Mais c'est pas grave, on va continuer à s'entraîner. Je continue à m'entraîner. Allez, on build fight, on build fight, on build fight. Non, on s'en fout, on va payer un coach. Est-ce qu'on a assez pour le coach? Non, on a pas assez, on a presque assez. Ok, on a assez pour un coach. C'est qui lui? C'est mon comptable, j'ai un comptable.
Non. Ah, il joue pour moi, genre, c'est un joueur à moi. Ok. Imaginez, vous êtes patron d'une entreprise, vous passez comme ça devant le bureau de votre salarié et vous le regardez. Là, vous vous dites, ah ouais, je suis trop fier de lui, là. Il travaille comme un fou. C'est le meilleur employé du mois. Alors qu'en fait, il joue à Fortnite en cachette. C'est sûr, vous l'avez tous fait, ça. En techno, je vous jure que je ressemblais à ça. Le prof, il croyait que je travaillais et tout, alors que j'étais là, j'étais en train de jouer à des jeux sur Internet. J'étais en train de jouer à Gario. Une vitre, une fenêtre. Pour la première fois, je me suis pas fait arnaquer. Ils m'ont dit, on va te vendre une fenêtre. Ils m'ont ramené une fenêtre. Ils m'ont ramené trois fenêtres, carrément. Là, pour le coup, ils m'ont pas arnaqué. Hein. Je suis content. Ah non, ils m'ont mis les fenêtres de toute la maison. Ah, je peux acheter une cuisine. Enfin. C'est quoi cette cuisine là? Je vais boire de l'eau, moi. J'ai acheté une cuisine. Ils m'ont donné un lavabo. Je vais faire quoi avec un lavabo? C'est pas grave. On va aller continuer à stack de l'argent là pour voir ce qu'on peut acheter. On va essayer d'améliorer, on se fait arnaquer, mais c'est pas grave. C'est les risques du métier. Ils me vendent des lasers encore. Je sais pas, ça me sert à quoi les lasers. Mais vas-y, on va acheter des lasers. Ça se trouve, ça nous rend plus fort d'avoir des lasers à la maison. Ok, là on peut gagner un truc. Là j'ai 500 d'habilité. En fait, j'ai capté. Quand on s'entraîne en bullfight, à gauche on a l'ability. Et je crois que c'est l'agilité en fait. Eh ouais, je suis bilingue. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Et je sais pas ce qu'on va gagner là. Là on va directement. Je fais quoi avec ça, moi? Pourquoi ils m'ont donné une baguette magique? Je suis foutu de ma gueule ou quoi? Je me suis entraîné d'arrache-pied pour qu'ils me donnent une baguette magique! Non, c'est une dinguerie, c'est aberrant. Aberrant, frérot. Là, on va améliorer notre skin. On va voir comment il va se transformer, mon skin. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils m'ont donné une statue. J'ai payé combien, là? Je sais même plus, j'ai payé combien, tellement je dépense de l'argent dans n'importe quoi. J'ai payé pour améliorer mon skin. Ils m'ont donné une statue. En fait, je suis le roi des pigeons, ils veulent que m'arnaquer. Je viens de comprendre. Oh, on va payer un deuxième esclave. Trop bien. Allez, travaillez les esclaves. Je compte sur vous. On a des compétitions à gagner, ok? Merci. Je vous dis même pas merci, en fait. Vous êtes mes esclaves, il n'y a même pas de merci. Allez-y, travaillez, c'est un ordre. Non, je rigole, mon équipe. Vous êtes vraiment mes bijoux. Vous êtes mes champions. Je vous aime du plus profond de mon cœur. On doit travailler ensemble pour pouvoir gagner ce championnat, ok? Je crois en vous, les mecs. Je leur dis ça parce qu'après, ils vont finir en dépression si je leur donne pas un peu d'amour. Oh, on peut améliorer notre setup. Mais attendez, mais j'ai une chaise de camping. Il est passé où le carton? J'ai même pas fait attention. Bah, c'est pas grave, on va améliorer le setup et on va voir là ce qu'on aura. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse. Regardez-moi mon setup, il est pas vraiment beau gosse là? Non, incroyable. Le setup là, il est incroyablement incroyable. Acheter une arme. On va voir ce qu'ils vont me vendre. C'est quoi ce marteau? Je fais quoi avec ce marteau? Je sais pas ce que je peux faire avec ce marteau, mais au moins j'ai un marteau. Peut-être on va casser la statue. Non, ça sert à rien. Non, 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 non! En fait, c'était pour ça les lasers, c'était pour pas que je tombe. Je viens de comprendre. En fait, c'est utile les lasers. On va acheter une living room, un salon. Je sais pas, on va acheter quoi encore. Ok, un petit canapé, beau gosse. Pour garder quoi? Je ne sais pas. Peut-être pour garder la fenêtre. Mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. Allez, Samy, tu vas quitter ce moment-là parce que le shoot, c'était pas trop ça. Non. Faut pas que les gens ils voient que je suis nul. Je m'en fous. On va améliorer le salon. Oh, oh, non, non, c'est pas possible. C'est quoi ce tapis? C'est un tapis de souris, ça? Dans le salon, ils m'ont mis un tapis de souris géant. Regardez, ils se foutent vraiment de ma gueule. En gros, c'est le tapis de souris qu'ils m'ont mis par terre. Voilà, je me suis encore fait arnaquer, mais c'est pas grave, on a l'habitude. On va s'entraîner. Ça y est, on va acheter un troisième esclave. Enfin, non, un troisième pro gamer. Putain, je suis fier de vous, les mecs. Hein. Je suis vraiment fier de vous. Mais attendez, vous foutez de ma gueule. Vous avez tous le même écran, là. Me dites pas que vous êtes pas en train de tryhard depuis tout à l'heure et vous avez tous mis la même vidéo YouTube. Non, ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Mais personne ne me respecte, même sur ce jeu. Même mes joueurs. Travaillez, les mecs. Travaillez. Continue de tryhard. On a des compétitions à gagner, ok? Et je vous jure que je vous ramène tous en vacances, là, si on gagne. C'est bon? Non. Allez, c'est quoi le deuxième truc? C'est une pioche. Ça veut dire en fait la baguette magique c'est une pioche aussi. Il est con quoi lui. J'avais même pas compris depuis le début. Je me suis dit c'est quoi cette baguette. Mais en fait c'est que des statues qu'ils me donnent. Mais j'ai pas besoin de statues moi. Allez on va acheter une voiture. On va voir la voiture qu'ils vont nous donner. Allez on va pas se plaindre. C'est pas grave. On a une voiture, ça c'est le principal. On va aller faire un petit tour en ville pour voir ce qui se passe. Allez on va faire un petit tour dans le stade là. On va voir à quoi ça ressemble. Mais attendez, mais c'est quoi ce portail là en acier là? Utilisez votre ordinateur pour rentrer dans l'arène. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi j'ai envie de rentrer là dedans, j'ai pas envie d'aller jouer encore sur mon ordinateur. Eh, ça y est. On n'a pas besoin de gagner le championnat du monde, on n'a pas besoin d'être les plus forts. Je sais que je suis nul à Fortnite, mais il n'y a qu'une solution. Si vous voulez le trophée, c'est soit vous êtes fort à Fortnite, soit vous volez le trophée. C'est simple. Et vu que je suis nul, bah moi je vais pas jouer. Je vais aller voler le trophée. Eh mais attendez, c'est sûr qu'il y a un passage pour monter là-haut là. Je vais vous dire que je vais réussir à rentrer dedans. Comment je peux rentrer là? On va passer par là. Comment je monte? Ok, on passe par là. Ensuite, on saute.
Y'a pas une petite entrée quelque part là? C'est sûr qu'il y a une trappe. C'est sûr qu'il y a des conduits d'aération ou des trucs comme ça là pour pouvoir rentrer. Hein. Bon bah je crois que c'est mort, hein. On peut pas le voler le trophée. Hein. Je vais repartir tryhard. On va améliorer notre PC. On va voir à quoi il va ressembler là. Je sais pas quoi dire, il est pas fou. Allez, on va améliorer notre cuisine là parce que le meilleur endroit dans un appartement c'est la cuisine. Wesh, mes frères, ils m'ont donné un deuxième lavabo. Comme si un lavabo c'était pas assez. Mettez-moi un frigo. Oh, j'ai des fans. Non, j'ai des fans, c'est pas possible. Je sais, les amis, je sais. Vous voulez des dédicaces? Non, non, créez-moi s'il vous plaît. Créez-moi fort s'il vous plaît. J'ai des joueurs là, j'ai des pros. Créez-moi s'il vous plaît, vous allez les déranger. À la fin, ils vont devenir nuls. S'il vous plaît, fermez-la. Merci, merci, merci. Oh, j'ai une piscine. On va se baigner. Hein. Incroyable, j'ai pas de frigo, je meurs de faim, mais au moins j'ai une piscine. Ça c'est le principal. Allez, dégagez de chez moi maintenant. Allez, ça suffit, ça y est, on a rigolé un peu. Vous êtes venus, vous avez crié un peu devant la maison, maintenant dégagez. Je vais compter jusqu'à 3, si vous dégagez pas d'ici, je vais mettre le feu. 1, 2, 3. Allez, dégagez. Allez, du balai là, dégagez de chez moi. Vous voulez pas dégager? Oh, j'ai un jetpack, j'avais même pas vu. Ok, du coup, il me sert à quoi le jetpack? C'est nul! Allez, on va améliorer la cuisine. S'il vous plaît, donnez-moi un frigo. C'est tout ce que je demande. Une cuisine sans frigo, c'est pas une cuisine. Des chaises, j'en ai marre de me faire arnaquer. J'en ai marre. Ok, qu'est-ce que je peux acheter? On va acheter un coach, on va payer un coach. Non mais, c'est quoi ce coach? C'est quoi ce coach? Ils m'ont ramené un coach en survêt orange et avec un bob. Non, c'est de la grille, je suis choqué. Eh, cette map, vraiment, ils se foutent de ma gueule. Regardez comment il coach les gens, on dirait qu'il fait un freestyle. On dirait là, il est posé au quartier, là. C'est quoi ça? J'ai demandé à un coach, pas un voyou. Mais toi, là, avec tes cheveux orange, là, remplace le coach, s'il te plaît. Remplace le coach, parce que toi, t'as plus la dégaine qu'un coach que le coach lui-même. C'est aberrant. On peut acheter un deuxième étage. Ok, qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter des murs, de la sécurité, ok. Un lit. On va acheter le lit. C'est quoi ce lit? Attendez, me dites pas que j'ai payé 22 000 $ pour un matelas gonflable quand même. Me dites pas que j'ai payé 22 000 $ pour ça. Oh, j'ai un truc de billard. Le premier truc bien qui me donne là. Allez, on va payer quelque chose. Une petite télé, ok, là ça va là. Là je me sens un peu respecté. On va améliorer la cuisine. Là, on va voir s'ils vont me donner un frigo. Enfin, enfin, ils m'ont donné un frigo. Enfin, ça fait 1h30 que je joue sur cette map. Ils viennent de me donner un frigo. Merci. Là, je suis content. Ok, là, ils me donnent de la décoration. On va améliorer mon lit. Upgrade bedroom. J'ai un matelas gonflable. Le skin, il préfère acheter des tapis. Je m'énerve plus. Ça sert plus à rien de m'énerver. Ok, là, on va tout donner pour gagner le championnat, là. Là, ça y est, on tryhard. Ça y est, j'en ai marre. Allez, allez. Vas-y, fume-les. Tue-le. Ok. Allez, tryhard. Reste concentré. Non, top 3. Faut que je respire. 2 secondes. Il faut que je respire. On va le faire. Là, c'est la bonne. Là, je la sens. Je la sens très bien, là. Je l'ai fait ? Top 6. Je vais aller parler au coach. Coach, viens là. Écoute-moi. Je sais que t'as pas une dégaine sérieuse, mais là, tu dois m'apprendre. Ok ? Ok, vas-y. Ouais. Ok, là, on a pris une tactique. Là, on a pris une stratégie. Là, c'est sûr, normalement, on va réussir. Ok. Faut que je passe par tilt tête dehors, ensuite salty sprint. Ok, si je passe là, je passe par... Ok, je comprends rien, mais c'est pas grave. On va suivre la route. C'est comme une carte au trésor, d'accord. Vas-y, on va suivre la route. Ok, là, on va voir si ça marche. J'ai fait top 1. J'ai fait top 1. Enfin. Oh là 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 là, j'ai passé des heures à essayer de le gagner ce top 1. On va réclamer notre trophée. J'espère qu'il est incroyable. Hein. C'est quoi ce trophée éclaté? C'est quoi ce trophée éclaté au sol? J'ai cru que j'allais gagner une coupe du monde ou un truc. Ça y est. Oh là là. Je peux enfin aller dormir. Allez, bonne nuit, hein. Moi, je suis fatigué.